Bonsoir. Voilà, on vous retrouve à la DPZ. Dites-nous, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes là? La raison, c'est simple. Comme vous le savez, on avait eu à porter plainte contre le nommé Cheikh Ahmed Fofana alias Cheikh Afa par le biais de notre avocat Mel Salif Biaboudi. Et l'intéressé, sur la seconde convocation, il a comparu. Il a été entendu sur procès verbal. Et la seconde phase devait consister à la confrontation afin que l'argumentaire qui est avancé et l'argumentaire de la partie plaignante qu'on puisse en début et conclure complètement le dossier afin de le transmettre au niveau du parquet. Donc pratiquement aujourd'hui c'était cette phase et l'accusé rejette en bloc les accusations. Il met en cause l'existence juridique du balai citoyen qui n'a pas capacité et qui n'est pas habilité à le dossier. Il ouvert et insinue aussi que dans nos objectifs, qui n'est pas du tout permis en la matière. Donc en ce sens, le balai citoyen a fourni son argument dans lequel dans nos objectifs on œuvre dans le cadre de la prévention de la paix et de la sécurité sociale, mais surtout de vivre ensemble. Donc cet argument de mis en cause a été balayé. Ça a permis aux officiers de police judiciaire de boucler le dossier et le mercredi à 10h, les deux parties sont entendues devant le procureur au niveau du tribunal de première instance de Kaloum. À cette rencontre, le procureur va décider de la suite à donner à ce dossier. Pourquoi vous le poursuivez? Nous le poursuivons pour incitation à la haine, à la révolte, mais aussi en fait à ce qu'on appelle dans le jargon juridique aux infractions commises au fait au niveau des réseaux sociaux conformément à la loi L037 relative à la cybercriminalité. Donc, et aussi au niveau du code pénal dans son article 856 et au niveau de l'article 4 de la Constitution, mais aussi de l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc il y a tout un arsenal juridique au fait qui nous renforce dans notre accusation et je peux vous rassurer que le mercredi, à partir de 10h, que le mis en cause ne s'en sortira pas dans cette affaire. Dans la mesure que nous avons toute une panoplie de preuves que nous détenons, afin que le mis en cause ne puisse pas s'en sortir. Et que c'est un exemple. L'objectif que nous recherchons, c'est la dissuasion, mais aussi la répression. À travers quoi? Je dirais que le mercredi, le mis en cause ne s'en sortira pas. Merci. Merci.